Le déroulement euh, général du livre, c'est de partir d'une famille, d'un système anthropologique d'Homo sapiens reconstitué et qui est défi défini comme étrangement moderne. C'est La famille de, de chasseurs-cueilleurs de base était nucléaire, euh, avec un statut plutôt élevé de la femme, mais dans un contexte de séparation claire des rôles masculins et féminins. Et puis ensuite, on voit. Se différencier les types familiaux. Les occidentaux vivent avec une vision totalement fausse de leur histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire vue, vue par la sociologie historique des deux derniers siècles C'est euh, on part d'un magma euh, familial vaste, communautaire, patrilinéaire. Autrefois, c'était le communisme primitif et, et le groupe pansexuel. Et puis de ça émerge des formes familiales de plus en plus simples. Et puis on arrive à la famille nucléaire. Donc on arrive, qui est le sommet de l'évolution, dont sort l'individu, dont sort la liberté, dont sort la démocratie. Ça c'est le modèle traditionnel. Le, le modèle auquel j'arrive n'est pas du tout comme ça. C'est la famille nucléaire est à l'origine. La tendance lourde des sociétés, c'est à la complexification des structures familiales, à l'abaissement du statut de la femme et à l'émergence, en conséquence, de formes sociales et politiques de plus en plus autoritaires. Et puis sur la frange extrême de l'Eurasie, particulièrement dans le monde anglo-américain, le, le modèle nucléaire a survécu.